le collège de Maye. L'entreprise qui est représentée, c'est Ben Khamgenko. C'est vrai que les travaux ont un retard. Je marque le retard. Je suis là il n'y a même pas deux semaines. Il y a une délai soit. Ça veut dire que nous allons suivre pour prendre en charge, pour savoir où se trouve, où se situe le problème, la difficulté, pour nous prendre les dispositions nécessaires pour que les travaux reprennent dans les plus brefs délais. Je vais le faire à 100% le jour de la rentrée. Je ne peux pas vous le promettre parce que l'IDES est très bien. Il y a un bâtiment qui est très bien. Mais, Inch'Allah, nous avons un contact avec nous. Nous avons toutes les dispositions nécessaires pour que les travaux redémarrent. Et l'entreprise qui est très bien, continue les travaux. Nous avons un grave. L'année dernière, nous avons un équipement. Le collège de Bounkota Bachel va pareil. 18 collèges. 18 yépp dañuy am équipement. Donc bi table banc yi chaque classe dinañ ko def 28 table banc. Ensuite administration bi dinañ ko équiper en mobilier mom tamit. Bibliothèque bi ak salle informatique bi fofu aussi dinañ fa def 12 ordinateurs yu complet ak 12 imprimantes ak tamit dina am benn photocopieur. Équipement bi moom vraiment su travaux yi jeexee. Le collège va être équipé entièrement, aussi bien en table blanche, mobilier scolaire que matériel informatique. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons fait ce que nous avons fait vraiment le directeur de l'enseignement moyen secondaire général. C'est pour nous voir l'état d'avancement. L'état d'avancement, c'est que nous avons fait l'élévation, nous avons terminé 100%. Sur l'ordre de guerre, nous posons toi du lit. Si nous posons les toitures, nous faisons dallage sol comme nous sommes dans le monde. Si nous faisons carrelage, nous posons vraiment tous les appareils électriques. Si nous faisons la peinture, nous peinture, posons les appareils électriques et les appareils sanitaires. Donc, le volume de travail est diminué par rapport à tout l'école d'études. Mais comme nous évoluons dans le cadre d'un contrat, le contrat, nous avons ce que nous avons mis d'ouvrage. Nous avons ce que l'entreprise a engagé pour le faire. Nous sommes pour le moment. Nous sommes dans les dispositions pour faire ce que nous avons contrat. Nous sommes bien là, nous avons fait ce que nous avons fait. L'entreprise aussi nous avons exécuté. Parce que c'est un contrat qui nous connaît, nous avons signé, nous avons fait tel, nous avons fait tel. Donc, nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait un planning d'achèvement. Nous validé. Nous avons suivi ce que nous avons exécuté. Nous avons fait un délai. Le passé 15 octobre. Vous voyez, il va prendre ses responsabilités. Il demande que vous savez que à l'impossible, nul n'est tenu. Il demande que vous voyez que mon nul de travail, de créer nos lots d'unité à grandeur, n'y a rien collé. Le bénéfice mini tamouri, mon gars avance bien. Il demande que par extraordinaire, vous voyez que mon l'inconnu manu collège. Ce baba aussi, le contrat nous permet de faire ce qu'on appelle la résiliation. Nous résilier le contrat. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons tiré en longueur, mais nous avons fait travaux. Mais nous avons fait des choses. Alors, vraiment, c'est la solution ultime. Nous avons dit que nous avons fait des choses. Nous avons fait des retards. Nous avons fait des retards. Mais nous avons fait des choses. On va le convoquer en réunion. Nous avons fait des choses. Terminer exceptionnel que Dieu plaît. Voilà, tu gâtes le dalle, l'eau là, je ne peux pas voir pour le moment. Il y a 6 classes au total. Il y a l'administration, il y a le loge gardien, il y a le mur de clôture qui fait 500 mètres linéaires, il y a 2 blocs d'hygiène. Un bloc d'hygiène pour les garçons, un bloc d'hygiène pour les filles. Donc, en résumé, le collège est composé de 6 salles de classe, 3 blocs de 2 salles de classe. Les 2 blocs de 2 salles de classe sont pour les enseignements généraux. L'autre bloc de 2 salles de classe, l'une est réservée pour le laboratoire, les enseignements scientifiques. L'autre va servir de bibliothèque et en même temps de salle informatique. Ensuite, il y a une administration qui est composée du bureau du principal, du bureau du surveillant général, d'un secrétariat et d'une salle de conférence. Il y a les 2 blocs d'hygiène. Un bloc d'hygiène de 5 boxes pour les filles, un autre bloc d'hygiène de 4 boxes pour les garçons. Et dans chaque bloc d'hygiène, il est aménagé une box pour les handicapés.
Dans le bloc d'hygiène des garçons, il y a, en plus du box handicapé, il y a un espace où on a aménagé 3 urinoirs donc pour permettre aux garçons de faire leurs besoins. Il y a également la loge gardien qui est composée de 2 parties. Il y a le local de repos et également il y a le poste de garde. Donc la loge gardien, c'est ce que vous avez vu au niveau de l'entrée. Il y a également au niveau du mur de clôture un portail qui fait 3 mètres et un portillon de 1 mètre. Donc en gros, voilà la composition du collège. Et en plus des travaux de génie civil, des constructions, il y a une partie équipement. Donc l'équipement est composé de mobilier scolaire. Donc chaque classe recevra 28 tables bancs. Il y a également le mobilier de bureau pour le bloc administratif. Il y a le matériel informatique qui est composé de 12 ordinateurs complets avec leur imprimante. Et il y a également une photocopieuse. Donc voilà l'équipement qui est réservé au collège. Donc on va attendre maintenant que les travaux soient terminés pour entamer la procédure donc d'appel d'offres pour le recrutement de fournisseurs qui vont nous livrer le mobilier dont je viens de parler. Donc voilà la composition du collège.